Yo les potes, c'est Nitra, mais aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch sur Fortnite Battle Royale. Donc aujourd'hui les gars, dans cette vidéo j'ai trouvé tout simplement un glitch pour débloquer la Recon Expert. Et oui les gars, j'ai trouvé un glitch pour débloquer la Recon Expert sur un forum américain de hackers. Donc si cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un pouce bleu à la vidéo. Mais aussi les gars, avant de passer directement au glitch, je tiens à vous préciser que je fais gagner un skin dans cette vidéo. Donc si vous voulez tenter de gagner un skin, ça va être très simple. Il vous suffira de vous abonner à ma chaîne avec la cloche de notification, de liker la vidéo et surtout les gars, n'oubliez surtout pas de commenter votre pseudo Epic Game. Plus vous commenterez votre pseudo, plus vous aurez de chance les gars. Sur ce, moi je vous laisse à tout de suite pour la vidéo les potes. Du coup les gars, on se retrouve directement sur le jeu. Et voilà, donc les gars, aujourd'hui tout simplement, voilà, j'ai trouvé un glitch qui va nous permettre de débloquer la Recon Expert. Donc les gars, moi je l'ai déjà dans mon casier la Recon Expert, car en fait je l'avais acheté au moment où on pouvait l'acheter. Mais les gars, j'ai trouvé ce glitch sur un forum américain et je vous fais cette vidéo car beaucoup de personnes m'avaient demandé de trouver un glitch pour avoir la Recon Expert les gars. Donc c'est ce que j'ai trouvé et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez être sûr d'avoir la Recon Expert, car voilà, faudra faire toutes les manipulations comme moi. Si vous vous loupez les gars, si vous loupez une manipulation ou vous la faites pas bien, le glitch risque de ne pas fonctionner les gars. Donc voilà, je vous ai dit ça, du coup maintenant on peut directement passer au glitch. Donc les gars, pour le glitch, que vous devrez faire déjà, c'est aller dans votre casier. Et les gars, ce que vous allez faire, c'est tout simplement enlever votre sac à dos, enlever votre pioche, enlever votre planeur, tout ça. Vous allez juste laisser le skin en aléatoire les gars. Donc voilà, vous mettez juste le skin en aléatoire. Et du coup, une fois que vous avez votre skin en aléatoire les gars, vous allez en solo. Donc voilà, vous lancez une petite game de solo. Aussi les gars, mettez bien la région de matchmaking en Europe. Ne la mettez pas, je sais pas, dans une autre région. C'est vraiment la région Europe qui nous intéresse pour le glitch. Donc voilà. Donc vous allez tout simplement lancer une petite game de solo. Et les gars, vous allez faire comme moi. Donc voilà. Et aussi les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel skin vous aimeriez voir pour une future vidéo. Quel est votre skin préféré en commentaire et pourquoi pas le skin le plus demandé et le plus liké. Et bien j'essaierai de trouver tout simplement un glitch pour l'avoir gratuitement. Donc voilà. Et aussi les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez me poser une question. Évitez de mettre en commentaire car voilà, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de commentaires que je reçois des messages sur Instagram. Donc c'est vraiment compliqué de répondre sur dans les commentaires. Alors que si vous venez sur Insta, bah je vous répondrai. Donc voilà. Et aussi les gars, n'oubliez pas, si vous voulez tenter de gagner un petit skin, n'hésitez pas à mettre votre pseudo en commentaire. Et voilà, plus vous mettez votre pseudo, plus vous aurez de chance les gars. Donc les gars, une fois que vous arrivez tout simplement dans votre game de solo, ce que vous allez faire, c'est que moi j'ai spawn ici, donc ouais, c'est plutôt pas mal. En fait, vous allez sauter du bus et du coup vous allez rester en l'air jusqu'à aller en haut à gauche de la map pour se rapprocher tout simplement un maximum de l'accueil, donc c'est à dire ici l'endroit où je suis ici actuellement, pour aller tout simplement à la limite de la map les gars. Donc voilà, donc voilà, là je suis dans le bus et du coup voilà, je vais directement sauter pour aller directement à la limite. Donc hop, je saute et on active la course auto. Et du coup voilà, vous activez la course auto, enfin vous faites comme vous voulez quoi, et vous allez en direction de l'île de départ. Donc voilà, faites bien comme moi les gars, c'est très important pour la suite. Donc voilà. Donc voilà, vous pouvez mettre la course auto, faire autre chose en attendant. Il n'y a pas de souci avec ça les gars. Juste voilà, ça va peut-être être un peu long, mais ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, à la fin de la vidéo, vous réussirez à débloquer les gars la Recon Expert. Donc bon, moi j'ai un peu le seum de l'avoir acheté. Vu que si j'aurais connu ce glitch, eh bien, j'aurais pu l'avoir totalement gratuitement. Donc voilà, c'est pour ça que je partage ce petit glitch avec vous les gars. Donc voilà, hop. Donc là, ouais, bon, on est assez loin, mais bon, comme j'ai dit les gars, le glitch prend un peu de temps, mais c'est pas grave. Donc voilà, hein, vous y allez tout simplement pour aller jusqu'à la limite les gars.
Donc vous inquiétez pas, la limite n'est pas non plus hyper loin, vu que de toute façon on peut pas aller sur l'île de départ. Donc la limite, elle devrait pas être très loin, vu que là on se rapproche de plus en plus de l'île de départ. Hop. Et du coup aussi les gars, n'hésitez pas aussi à mettre votre pseudo en commentaire, car même si vous gagnez pas le concours pour gagner un skin, bah souvent j'ajoute des abonnés qui mettent leur pseudo en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre votre pseudo en commentaire si vous voulez m'ajouter. J'ajoute souvent les abos en commentaire les gars. Donc voilà. Et aussi les gars, si vous voulez jouer à Fortnite, chercher des joueurs pour jouer à Fortnite, recruter dans votre team, tout ça, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Voilà, le lien est dans la description et on est plus de 700 membres. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent rejoindre. Donc là, normalement, on devrait plus être trop loin de la limite. Vu que voilà, on se rapproche de plus en plus de l'île de départ. Donc la limite devrait pas être très loin. Voilà, donc là j'y suis, je peux tout simplement plus avancer. Vous verrez que quand vous êtes à la limite, c'est tout simplement bah, c'est buggé en fait. Et donc là, une fois que vous êtes là, vous pouvez quitter la partie, les gars. Donc voilà. Vous retournez au salon, tout simplement. Et du coup, les gars, maintenant, ce que vous allez faire, c'est changer votre région de matchmaking. Vous allez mettre en Océanie, vous allez faire appliquer. Et là, les gars, vous allez directement vous rendre en mode fête royale. Hop, et voilà, vous mettez prêt, tout ça. Vous lancez une petite game de fête royale, les gars. N'oubliez pas, bien évidemment, la région de matchmaking Océanie, c'est très important, les gars. Donc, voilà. Et du coup, les gars, comme vous le savez, hein, je pense que là, on va directement se rendre à une cabine bleue, les gars. Je pense que vous le savez, hein, pour ceux qui font des glitches assez souvent. Là, on se rend à la cabine bleue. Donc voilà, la game met un peu de temps à se lancer, les gars. Hein, mais comme je le dis à chaque fois, c'est pas grave. C'est parce que on est en mode. Enfin, on est dans la région de matchmaking Océanie. Donc c'est tout à fait normal que la game prenne du temps à se lancer. Donc voilà, là, il y a une cabine bleue. Donc je vais aller dedans. Et du coup, les gars, ce que vous allez faire, tout simplement, c'est que là, vous allez remplir votre casier d'aléatoire, comme ça, vous voyez, de trucs aléatoires. Donc, tac, le sac à dos, la pioche, vraiment tout, les gars. Vous verrez, de toute façon, après, faudra faire une petite manipulation, mais vous verrez rien de compliqué, les gars. Donc voilà, sinon là en attendant vous mettez vraiment tout en aléatoire, tous les camouflages, tout ça, les danses, les gars, ne vous inquiétez pas, on peut pas les mettre en aléatoire, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le truc aléatoire sur les danses, c'est tout à fait normal les gars. Mais sinon le reste, il faut bien tout mettre, à part la bannière, pardon, la bannière, bien évidemment aussi les gars, on ne peut pas la mettre en aléatoire. Et les gars, maintenant ce que vous allez faire, c'est que tout simplement vous allez mettre un skin bleu. De rareté bleue, donc voilà, vous mettez vraiment n'importe quel. Donc, bon, moi, vas-y, je vais mettre lui. Ok, donc voilà, on va mettre lui. Et les gars, vous sortez tout simplement de la cabine d'essayage. Vous sortez, et là, vous avez tout votre casier. Vous pouvez requitter la partie, les gars. Et tout simplement, vous allez retourner au salon. Et les gars, ce que vous allez faire, ça va être très très simple. Suffira uniquement de vous remettre en Europe. Voilà, vous allez vous remettre en Europe. Tac, et les gars, vous allez retourner dans le fête royal. Donc voilà, ça peut paraître un peu chiant à faire, mais voilà, c'est le glitch, il est comme ça, les gars. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'on doit répéter quelques actions des fois. Tout dépend des glitches, bien évidemment. Donc voilà, vous vous rendez directement, comme j'ai dit, encore en fête royal, mais cette fois-ci, bien évidemment, en mode Europe, en région de matchmaking Europe, et vous allez tout simplement là chercher encore une nouvelle cabine bleue. Pour tout simplement rentrer une nouvelle fois dedans. Donc il y en a juste une ici, c'est parfait. Vous rentrez dedans les gars. Et du coup ce que vous allez faire c'est tout simplement mettre le skin que vous avez choisi. Vous allez le mettre en favori. Et vous verrez. Ah bah vous voyez, là il y a la goule. Donc je vais l'enlever. Je vais lui juste laisser celui-là. Et du coup les gars, ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre votre skin en aléatoire. Et là ce que vous allez faire les gars, c'est tout simplement supprimer tout le reste. Vraiment, faut que le reste de votre casier soit totalement vide. Donc voilà. Le planeur et la pioche, hein, bien évidemment, on peut pas les mettre, on peut pas mettre une croix, donc vous mettez ceux de base. Mais sinon, le reste, les gars, faut bien évidemment que tout soit totalement vide, les gars. Donc voilà. Mais sinon, mettez bien le skin en aléatoire avec le skin que vous avez choisi juste avant en aléatoire, pardon. Et du coup, voilà. Une fois que vous avez un casier qui ressemble à ça, les gars, vous pouvez
quitter la cabine, retourner au salon. Et les gars, voilà, vous avez fini le glitch. Donc, voilà. Donc, les gars, si vous avez bien fait toute la manipulation comme moi, vous recevrez la Recon Expert dans votre casier dans 24 heures, les gars. Donc, voilà, c'était Nitram pour une petite vidéo glitch. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Et sur ce, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, les potes.